Hey, salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur Evoland 2 et on va continuer les aventures de Kuro. C'est parti. Donc oui les amis, on est toujours sur Evoland 2 et notre ami Kuro va devoir aider un démon. Oui, alors il en aide déjà une première fois, ou du moins il aide une jeune démon à échapper à des gardes, à des soldats, mais il va se faire prendre. Malheureusement, il va se faire prendre. Mais c'est pas grave, il va combattre dans une arène comme gladiateur, il va affronter des ours noirs, il va affronter un démon. Et oui, un démon, le démon Menos. Mais il fera équipe avec ce dernier pour essayer de s'échapper. Alors c'est parti les amis, venez voir ce combat terrifiant. C'est parti. Hey les amis, bienvenue sur Evoland 2. On va continuer notre aventure à la neige. Vous vous rappelez, on avait vu des mammouths. Et là on va voir quoi? On va voir quoi? Dites-moi tout, attention. Ah. Y'a quoi, y'a rien? Une sauvegarde. Oh, bah on était passé là déjà. Ah, ou alors je suis revenu sur mes pas. Oh, l'imbécile. L'imbécile que je suis. Tant pis. Allez. On passe sous la cascade. Qui y a-t-il de nouveau? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait notre... Qui êtes-vous? Vous me semblez familier. C'est le professeur Giraud qui vous envoie. Ah merde. Jamais je ne retournerai dans son laboratoire. Nous ne connaissons pas ce laboratoire Giraud. Mais nous aimer. Laissez-moi passer. Oui. Merci. Rattrapez-la. Mais attention, le colonel l'a vu vivante. Ah, attention les amis, attention. Ah mince! Ils sont ouf eux! Voilà! Clac clac! Faut pas se laisser faire comme ça les gars! Oh, il y en a plein qui arrivent! Alors attention! Ah mince! Allez, faut pas se laisser faire hein! C'est parce que c'est des soldats que ça y est! Oula, bah d'accord! Hop! Voilà! Oula, bah y'en a plein. Ah, faut arrêter là. Faut peut-être essayer de monter en fait. Oula. Allez. Oula, y'a le... Que se passe-t-il ici, Dalkin? Où est la fille? Allez. Ah non, non, oh non! Ah bah en fait c'était normal. Qui sont ces gens? Ils nous ont attaqués alors que nous apprêtions à appréhender la cible, mon colonel. Je vous avais pourtant dit de ne pas les freiner. Où est-elle? Elle s'est échappée, mon colonel. Continuez les recherches et ramenez-moi ces deux-là au palais. Je les interrogerai plus tard. Dalkin, c'est un chef de guerre. Ça sent quand il parle. Il est pas là pour se tourner les pouces. Il aime jouer de l'épée. Ah, on est au cachot. Honteux, honteux, les amis, honteux. Ah. Creux. Creux. Le bleu. Enfin réveillé. Oui. Je ne sais toujours pas où on est, mais je commence à m'inquiéter. J'ai peur de ne pas pouvoir retrouver mon père avant longtemps. Regarde, ils nous ont mis en prison. Je n'ai jamais rien vu d'aussi sale. On se croirait revenu il y a 50 ans, à la grande époque de l'Empire. En tout cas,
je vois de moins en moins d'explications logiques à tout ça. Ah, me saoule comme un parallèle. Regarde. Le soldat qui est venu apporter de l'eau a oublié de refermer la porte. On a vraiment de la chance, pas vrai? Oh, le bonnet. Et en plus, il dort. Tu penses la même chose que moi? Oui. Génial! Allez, on s'en va! Je suis certaine que tu vas très bien te débrouiller. Ils ont pris ton épée, mais il te suffit d'éviter les soldats. On ne peut pas toujours tout résoudre par la violence, tu sais. C'est elle qui parle! Toujours aussi bavard, ce que je vois. Je te fais confiance pour nous sortir de ce trou. Allez. Ça peut être un pote, lui. Mais non, on l'aide pas. On a décidé de pas l'aider. Alors. Il y a un soldat. Oh, attention. Attention. Hop. Allez, on passe. Tout en faisant attention au soldat. Vite. Ah, il va jusque là, lui. Alors, on est dans l'ombre. Il ne nous verra guère. Vite, allez, vite, on court, on peut pas courir. Hein. Alors on sauvegarde, attention, est-ce qu'on peut passer par ici? Oula. Ah d'accord. Ah mince. Non, j'ai pas le temps. Ah. Allez vite. Clac. Hop, dans l'ombre du mal. Alors par où il faut pas aller, ça je sais pas. Ah bah par là, par exemple. Ouais. Alors attends. Faire attention au. Oula. Il m'a fait peur l'autre. On se met là. Voilà. Allez, on avance. Oula, attention, il y en a plein. Attends. Est-ce que lui, par exemple, voilà. Vite. Voilà, on est passé. C'est bon, ça. Il y a un truc là. Est-ce que c'est un coffre? Ah, d'accord, on peut faire ça. Non, mais gros, qu'est-ce que tu fais, au juste? Ne me dis pas que tu crois vraiment que tu vas pouvoir passer devant les gardes en te gageant dans ce gardon. Je me demande parfois où il va chercher des idées pareilles. Enfin bon, si ça t'amuse, essaie si tu y tiens. En tout cas, je t'en ai prévenu. Chapeau pointu, turlututu. Ok. Ouais. Je vois pas du tout. Que si je fais ça, voilà, on est passé, juste hein, mais on est passé. Faut pas bouger en fait. Oh là, ça va être chaud. Si on reste là par exemple, ouais, ils nous voient pas en carton, donc si on bouge pas, ouais, ça va. Tu vois, ça passe. Allez, ça va, on y va, les gars, on y va. C'est bon, on est passé. Faire attention. Oh, de l'or! Oh là 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 là. Allez. Il y a un garde, la mince. Ah, d'accord, ils font des... Attends, si je passe par là, voilà, comme ça. Voilà, je peux peut-être avancer. Oula, il dort. Non, mince, non, ça c'est... Oh, mince.
Oh mince, bon, on sait comment faire. Allez. Il y a l'autre là. Hop, mince. Il faut pas qu'il y ait les gardes qui arrivent juste en bas, parce que je suis obligé de le pousser. S'il me tape dedans, ça va pas le faire, je pense. Hop. Ah là là, ils arrivent. Faut pas qu'ils passent vite. Allez, hop, on passe. Vite. Hop, on est passé, c'est bon. Est-ce qu'on peut lui parler à lui? Alors on se balade, les portes sont parfois ouvertes, mais ça ne veut rien dire. Sans le mot de base, impossible de s'évader. J'avais trouvé une super astuce en me tatouant la carte complète de la prison dans le dos. Mais je n'ai jamais réussi à trouver un miroir pour pouvoir la lire. Ah ça c'est ridicule ça. Oh ça c'est un ridicule là. Alors. Hop. Alors attends, si j'imagine qu'il faut que je descende. Non, il fait le tour lui. Allez, hop. Génial, on est passé. Est-ce qu'il va nous dire quelque chose? Non, ça va. Attends. Bon d'accord, je veux bien l'admettre, tu avais raison, cette histoire d'un gardon, c'était une bonne idée. Mais aussi, comment voulais-tu que je devine que ces soldats sont si scriptés? Non, ce n'est pas le mot auquel je pense. Ok. Aussi incapable de voir un gardon qui se déplace devant eux. Enfin bref, bien joué, j'espère que l'étage suivant sera aussi simple. Aussi simple. Bon, bah là, on est obligé de passer par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un pote. Qu'est-ce que c'était au fait, cette chanson? Ah oui, le chevalier Robert s'en va au nord. Le chevalier Robert n'a jamais de nord. J'ai oublié la suite. Allez. Hop. Ah. Ah mince, non mais dans le noir, je croyais qu'il m'avait pas vu moi. Oh là, d'accord, ok. Donc faut bien les éviter correctement. Vas-y, passe, toi, passe. Voilà, on peut passer peinard. Y'a quoi là? Ah, y'a un gars qui creuse! Y'a un gars qui creuse! Vite! Est-ce qu'on peut passer? Non, on peut pas passer par là. Hop, vite! On va passer par là. Ouais, on peut direct. Non, mince! Ah non, trop dommage! J'étais arrivé en plus! Allez! On va attendre que notre pote passe. Allez. C'est bon. Ah, moins que... Mof. Est-ce que ça vaut le coup qu'on aille lui parler à l'autre? Vas-y, on va voir, on va aller le voir. L'autre qui creuse. Piu, encore un kilomètre. Si je connaissais le mot de base complet, je n'aurais pas besoin de creuser. Mais pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'il contient le mot brocoli. Brocoli cuit. Brocoli. Ouais. Allez, on s'en va. Vite, faire attention aux gardes, évidemment. Attention, les amis, attention. Et en plus, c'est très énervé. Il a passé une sale nuit, une sale journée, on sait pas, mais en tout cas, il est très énervé, ce garde. Il va falloir le passer tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Tranquillou. Voilà, on est passé. Ah, on est dehors. Alors, attention. Qu'est-ce qu'elle veut encore, elle, Pina, là? Courons, ça sent bien meilleur ici, et c'est un peu plus propre. Je suis certaine qu'on approche de l'incendie. En fait, c'est quoi cette histoire de mots de passe? Peut-être que d'autres prisonniers ont des informations. Allez, on a d'autres choses à faire. On va lui demander. Tout le monde connaît la dernière partie du mot de passe? Bah, c'est quoi? Le bouffon! Tous ceux qui tentent de passer cette porte doivent donner le mot de passe. Oui. Quel légume adore mes enfants? Un brocoli. Dans la chanson sur le chevalier Robert. Dans la chanson, le chevalier Robert est le plus fort. Si je compte jusqu'à 6, j'obtiens. Vas-y.
Mot de passe non validé. Ah, c'est con ça. Ok. D'accord. Le brocoli est le plus fort. Bah 104. Quel sort choisis-tu? Le sort. Le septième sens, mot de passe non valide, mince. Bah ouais, je vais pas retourner sur mes pas. Ouais, donc c'était bien, j'étais pas sûr de moi, vu que c'est pas super bien lisible, que c'était bien 104 en chiffre romain. J'avais mis le septième son, je dis la mort. Vous pouvez passer, c'est bon. Ah non! Passe-moi en plume! Je vais attendre là. Je vais les suivre. Ne pas bouger. C'est bon, ça passe, les gars, ça passe! Oh là là, ça va être chaud bouillant. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hop, vas-y, on y va. Oh non! C'est hyper chaud, en fait. Vas-y, attends, il faut passer par où, là? Je me cache là. Il fait quoi lui? Oh la galère! Oh non! Oh le chien! Bah franchement c'est un peu casse-bonbon. Ah, j'aurais pu y aller. Vas-y, on va y aller. Crash. Alors, il faut aller par où maintenant? Ouais, je viens. Bah, à part aller en haut, je vois pas d'autres solutions. On y va. On est passé. Hop là, non, on passe pas. Voilà. Allez, on y va. On va par ici. On va par là. On essaye, on tente. Oui! On est sorti, mes amis, on est sorti! Ça, c'est Vina qui le dit. Allez, un coffre. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu une vieille épée! On a obtenu l'épée, les amis, les épées. Tac, clac, tiens, mon chat, démon. Non, on est devenu des gladiateurs, mon ami. Comme dans Gladiateur. On est sorti de la prison. Mais c'est super. Mais on est... où est-ce qu'on est encore atterri là? Et voilà mon premier challenger. Et la foule nous applaudit, les amis. Elle applaudit. Allez, ne soyez pas timide. Avancez, je vous en prie. Bienvenue au Grand Colisée. Ici s'affrontent chaque jour les meilleurs guerriers et des bêtes féroces. Un peu de silence pendant que je présente les candidats, merci. Je disais donc, aujourd'hui, à ma gauche, le très jeune mais très puissant guerrier, rempli de la poudre de ma jeunesse et doté d'une incroyable potentiel. J'ai nommé... C'est quoi votre nom déjà? Ne lui donne pas ton prénom, ça pourrait t'attirer des ennuis. Votre nom alors? Alors je vais te donner... D'exterminateur. Vraiment? J'ai nommé... L'incroyable, le fabuleux, le magnifique, l'exceptionnel, l'extraordinaire... D'exterminateur. Là je vous fais bien le truc hein. Alors dites-moi nous, D'exterminateur, êtes-vous en forme aujourd'hui?
Ouais. Formidable ! L'exterminateur d'après moi une victoire écrasante. Il va faire de la pâtée pour glouton de son adversaire. Oh, vous faites justement signe que le premier adversaire de l'exterminateur arrive à l'instant. C'est quoi, c'est qui, c'est qui? Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements l'immense, le magnifique, l'extraordinaire, le super minimal. Oh, les bêtes féroces. Manimal est le plus grand, le plus malheureux, le plus poilu des dresseurs, d'ours de tout l'Empire. Ces ours sauvages ont été dressés de façon à attaquer toute cible désignée par Manimal. Alors Manimal, dites-moi tout, quel est votre secret? J'utilise de la graisse d'ours tous les matins sur le corps, je m'enduis de miel à la tombée de la nuit. Hein? Un mot-clé, dites-vous? C'est formidable! Et quel est votre mot-clé de deal aujourd'hui, juste? Eh bien, je regarde mes ours droit dans les yeux et je leur dis ce sont des nounours. Et je leur dis chop! Et ils attaquent! Chop! Et voilà, bravo, Vina! Ils ont les règles magnifiques et un petit accident! Mademoiselle, tout porte à croire que vous soyez intervenu dans le combat pour que je vous dessine et vous commencez! Et on perd une article 13B, alinéa G, décalé de la niveau de la droite parce qu'il est au niveau de la page en plein milieu et je vous déclare donc. Disqualifié! L'exterminateur devra combattre seul les ours de Manimal! Car oui, mesdames et messieurs, le combat continue! Mademoiselle, merci de bien vouloir retourner dans votre loge pour attendre la fin du combat! Il semblerait que l'on doive nous en dire sans moi, pour une fois! L'exterminateur! Ah, je suis sûr qu'elle rigole comme ça! Ne prends pas trop triste, tes os ont l'air plutôt coriaces! Bon allez! C'est sans plus attendre que je déclare le combat! Commencez! Allez! Mon coriace! Parle. Oula. En plus, ils sont super vifs. On dirait des vrais lapins. Attention. Ouais, on en a eu un. Allez, bilan. En fait, c'est des gros chats. Et voilà. On a vaincu. Et c'est une victoire écrasante de l'exterminateur. Mais sans plus avant, passons au deuxième combat de la journée. Venu du fin fond des forêts de Malicor, maître des arts martiaux orientaux, petit, certes, mais décidément costaud, les géniaux et les agiles, les extraordinaires écureuils ninja. Les écureuils ninja. Ah, il semblerait bien que... Les tortues ninja. Formidable, écureuils ninja. En fait, ils sont réincarnés en écureuil. Que le combat commence. Où est Splinter? Donc Splinter va être, je sais pas moi, il va être... Oula. Et on prend cher, hein. Faut juste... Hop là, là. Oh, c'est le rouge. Oula. Ah, et ben... Eh. Voilà, et deux. Il y a Donatello, il y a... Hop là. Oula. Voilà. Allez, rappel, viens là. Eh. Viens là. Bien joué pour le deuxième combat. Bien joué, les gars. Bien joué. Et c'est une victoire éclatante de l'exterminateur. L'exterminateur, entre nous, d'où tirez-vous votre force phénoménale? De l'amour. Bah, évidemment. Vraiment? Formidable! Mais, que se passe-t-il? Mais cela ne suffira pas! Pas d'impressionner votre prochain adversaire! Avant de vous le présenter, je voulais vous annoncer une grande nouvelle! L'empereur en personne a tenu d'assister au prochain combat! Mesdames et messieurs! Merci de bien vouloir applaudir!
Sa Majesté l'Empereur Lothaire. Ah, il est là. Il est là. Ah, il y a le chevalier, je sais plus comment il s'appelle. Ah, puis il y a le magicien Lothaire. Alors, colonel, voilà donc le jeune homme dont vous m'avez parlé. Ah ouais, votre excellence. C'est bien nommé. Il s'appelle l'exterminateur, si j'ai bien compris. Et c'est bien grâce à lui que la fille a réussi à s'échapper. Je vois. Je vous avais pourtant bien dit, notre perroquin mâle. Le professeur Giraud a besoin d'elle. Nous avons essayé de la capturer sans le pousser. Votre grandeur. Mais ses pouvoirs, quoique affaiblis, restent suffisants pour repousser les hommes. Retrouvez-la au plus vite. Je compte sur vous, colonel. Colonel. À vos ordres, votre majesté. Alors on est fou, on est fou. Et de l'autre côté, grand Magus, comment progresser le front? Nous avons pris le pont de Mayenne, votre altesse. Le roi des démons se cache quelque part au nord et tente de rassembler ses armées. Nous avons un plan pour trouver son camp et nous pourrons ensuite attaquer les démoniaques. Et si vous nous autorisiez à utiliser tous les moyens à notre disposition, cela serait très gai. J'imagine que vous voulez parler de la nouvelle arme que le professeur Giraud a mise au point. Oui, votre majesté, si vous voulez bien autoriser son utilisation, je suis certain que la guerre serait déjà gagnée et les démons vaincus. Turlupéli. J'y réfléchirai, grand Magus. Cette guerre est déjà une bien vilaine affaire. Essayons d'y mettre fin, vite et proprement. Si j'en crois les rapports du colonel, les moyens plus conventionnels devraient être suffisants. Il s'en sera fait selon la volonté de votre majesté. Je vais bien prévenir le professeur Giraud. Son arbre sera dans son laboratoire pour l'instant. Je comprends, votre majesté. Si vous voulez bien m'excuser. Il me cache quelque chose, mais quoi? Voyons voir ce que donne ce combat. Il paraît qu'un démon particulièrement puissant a été capturé par les sorciers du grand Magus. Nos savoirs tuer plusieurs d'entre eux, ce qui est un exploit en soi. Et sans plus attendre, voici notre prochain combattant. Tout loin venu des steppes du Nord, sa force est bien supérieure à tout être humain. Sa férocité est celle d'une bête enragée. Mesdames et messieurs, bah Ménos, ah Ménos c'est bien, Ménos le démon, Péos. Ménos, un petit bois avant ce combat qu'on espère te rendre tous incroyablement sanglants. Oh, il veut parler, je ne peux pas mourir ici. Formidable! Et c'est sur ces magnifiques paroles que le combat commence! Oh là là, hey, Ménos, oh! Commence pas, mon petit gars. Ah ouais. Attends. Oh là là! Il est chiant. Bah ça va, on va le battre. Je le sens bien. Allez. Ah là, c'est bon, on l'a battu. Tu es fort. Tu as gagné mon respect, mais je ne peux pas mourir ici. Que dirais-tu de t'enfuir avec moi? Je connais un passage qui permet de sortir du Colisée. Mais seul, je ne pourrais pas quitter la ville. Alors, quoi dis-tu? Oui! Pas de temps à perdre, allons-y! Il est fort, Ménos! Bon. On fait quoi? On s'en va, nous aussi? Où allez-vous? Hé! Hey, attendez-moi! Ah, nous, on se bat, on la laisse! Non mais franchement... Mais attention. Ah, il est là. Nous y sommes.
Nous devrions pouvoir accéder au sous-sol. Hors de mon chemin d'exterminateur. À tout de suite. Voilà. Et on a un coffre. En fait, vous avez obtenu la gravité plutôt dangereuse, dure sera la chute. D'accord. En fait, ouais, c'est dans le premier, je peux vous trouver cool, tu vois, dans l'ensemble, parce que c'était vraiment sympa de découvrir des choses au petit à petit, tu vois, au fil du jeu, tu ouvris des coffres et tu déverrouilles des choses. Là, bah, je sais pas. On déverrouille pas grand chose en fait. C'est dommage. Désolé. Mais. Je me suis épuisé, hein. Bon, et bien, si tu le prends comme ça, démouille-moi 12 heures. Alors, tu as besoin de moi finalement? Oui. C'est bien ce que je pensais. Voyons voir. Ce mur est plutôt rond. Et si on essayait ça? Voilà, le sang. Ça y est. Allez-y, c'est plutôt simple en fait. Oh, Menos, il m'y est arrivé. Bravo, Menos! Effectivement, ce n'est pas si compliqué. Maintenant, à toi, Goron. Oh, tu m'excuseras pour tout à l'heure. C'est juste que j'avais peur que vous me laissiez seul. Tu sais, Goron, je pense qu'on est perdu dans une époque qui n'est pas la nôtre. Je commence à avoir drôlement peur. Tu crois qu'on réussira à rentrer chez nous un jour? Oui. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Pour l'instant, on n'a pas le choix, il faut le continuer. Allez. Merci, grâce à vous, je vais pouvoir revoir mon fils. Ces rochers qui bloquent le passage sont solides, mais en usant nos portes, nous devrions pouvoir les briser. Concentre-toi pour faire appel à moi. Menos a rejoint l'équipe. Changer d'allié. Ok. Alors. Ah, ok. Mais c'est génial. C'est quoi ça? C'est cool, là. On n'est pas habitué à ça, nous. Attends, je fais quoi, moi? On peut sauter par là. Ah ok, d'accord, faut qu'on descende. Descendons, les amis, descendons. Ok, en fait. Sale bête. Alors. Voilà, les amis, voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. On a bien avancé, on a fait des combats de gladiateurs. Ça, c'est génial, génial. On a fait des beaux combats, mais je vous invite à me retrouver tout de suite après, les amis. Comme ça, on va faire un petit topo sur ce qu'on a vécu dans cette histoire sur Evoland 2. Allez, à tout de suite. Merci, les amis, d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et à mettre un pouce bleu. C'est la récompense. Merci beaucoup, les amis. Donc, vous avez vu ce combat mémorable. Franchement, ce combat où on affronte les trois ours noirs, c'est franchement standard. Après, Menos, c'était un peu plus compliqué, mais ça s'est bien fait. Et c'est vraiment sympa, cette histoire d'aider des démons, tu vois. Parce que d'habitude, les démons dans les jeux, tu les affrontes, tu les combats. Là, tu les as... Bah, bien sûr, on l'a combattu, mais en fait, on va l'aider par la même occasion. Mais dans la prochaine vidéo, je pense qu'on verra plus, parce qu'on essaiera de sortir des égouts, parce que les égouts, ça sent pas bon, il y a des rats et tout ça, t'as vu, c'est pas propre. Donc les amis, je vous invite à me retrouver dans la prochaine vidéo sur Evoland 2. Et on retrouvera Menos, Kuro et je sais plus la fille. C'est toujours les filles, les noms des filles, je m'en rappelle jamais. Bref, c'est pas grave. Enfin, la fille aux cheveux verts. C'est une qui parle comme ça, tu vois. Et donc celle-là, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et on retrouvera toute notre petite équipe dans la prochaine vidéo, les amis. Ok? Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.